Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart, évidemment, toujours sur PlayStation 5. C'est une exclusivité PlayStation 5. Comme d'habitude, 4K, 60 FPS, profitez de ce jeu qui est, je le rappelle, s'il vous plaît, une putain, et excusez-moi du terme, une putain de masterclass, littéralement. Allez, on est parti. Direction donc la suite de nos aventures. On devait aller à gauche, là où il y avait une sorte de faille, fracture dans le temps. Mais on avait amélioré vite fait par ici. J'ai peur que ça soit peut-être pas pris en compte. Donc laissez-moi checker. Ça a été totalement pris en compte. J'ai un solde de 2. Donc c'est parfait. Les amis, on est parti. Paratonnerre. Normalement, il tire beaucoup plus vite. Oh là 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 là. Non, les gars, regardez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Regardez les effets de lumière. Regardez les effets de projection d'étincelles. L'arme qui tourne. Oh là là, la fourrure qui bouge. Clank. Non, c'est fou, c'est fou. On a franchi des étapes incroyables. Incroyable. Allez, on est parti. On rentre là-dedans. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Évidemment, vous en doutez bien. Let's go. Clank, je vais voir Ratchet sur sa vallée. Vraiment? Et comment va-t-il? Bien, moi, je le pensais. Il est parfaitement héroïque. Mais où je digresse. Tes possibilités attendent que tu les guides jusqu'au méta terminal. Avec un tel vent, mes possibilités sont dans l'incapacité d'avancer. Existe-t-il un moyen? Oh, une sphère de poids. Sphère elle alourdit tous les objets qu'elle touche. D'accord. Ça rajoute du poids donc à tous les objets. Alors, il est temps... Je suis curieux. Qu'y a-t-il dans votre livre? Oh, c'est le recueil de savoir le plus actualisé de l'univers. Derrière, je ne pense pas. Qui est votre père? Je crois que toi, tu l'appelles le plombier. Le plombier? C'est votre père? Et que devient-il? Il est parti en vacances. Pour la première fois. Ah, d'accord. J'essaie de faire mon mieux. C'est une énorme responsabilité, même quand l'univers n'est pas en danger. Je vais rester dessus. Très bien, bah c'est bon ça, non? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis bloqué. Cette scie devrait m'aider à dégager le passage. Cette scie? Comment ça, cette scie? Comment je peux casser ça? Ah bah oui, il faut donner du poids à la scie pour qu'en tombant... Ah, voilà sur les filles! Allez, on est parti! On récupère tout ça. On le fout là. Ça va se casser, aucun problème. On est bon? C'est bon, ça s'est bien cassé. Et on va pouvoir le refoutre tout là-haut. Let's go. Normalement, ça devrait pas être un problème. On va rester dessus pour que ça entraîne les petits clanks d'univers parallèles et que ça alimente la porte. Regardez, vous êtes prêts? Normalement, s'ils sont passés... Et d'où vous vient ce titre de prophète? Oh, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce sont les moines de Savali qui nous l'ont donné quand je les ai aidés à déchiffrer une partie de leurs archives. Comment les y avez-vous aidés? Oh, tout ce que j'ai fait, c'est énumérer ce que j'ai vu. C'est un annuaire téléphonique blardien. C'est une dent de Kershou. C'est un poème romantique de Terraclon. Ça alors, il faut que j'écrive ça. Car c'était tout simplement phénoménal, Clank. Bah, comment ça se passe avec le rivet? Ça va, elle a piraté mon cerveau pour fouiller ma mémoire. C'est ainsi que s'occupent les jeunes de nos jours. Je me sens tellement vieux d'un coup. Alors, on va passer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que Ratchet et Rivet sont étonnamment différents pour des doubles dimensionnels. Ratchet n'éprouvait aucune méfiance à l'égard des robots quand nous nous sommes rencontrés. Rivet, en revanche... C'est peut-être ta dimension qui diverge. Peut-être que tous les Ratchet des autres dimensions n'aiment pas les robots non plus. Ok, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai aucune putain d'idée de ce qui est en train de se passer finalement. Si je fais ça là-haut, là, qu'est-ce que ça fait? D'accord, donc ça c'est la légèreté. Donc ça normalement. Ah ah! Il va falloir donc que je les accélère. On a encore quelque chose ici. C'est incroyable. Ah, bien. On a celle de poids qui va me permettre de faire ceci. Let's go. Quand ça descend. Ok, d'accord, j'ai compris.
Je vais pas pouvoir le récupérer à moins de... Ah ! Terrible. Terrible. C'est bon. Pas de panique à bord. Et si je puis me permettre une petite suggestion, il serait peut-être judicieux d'explorer la zone. Mes possibilités sont une représentation visuelle de mon esprit tentant d'appréhender la dimensionnalité. Plus je les aiderai à se frayer un chemin, et plus je comprendrai et serai en mesure de tout réparer. Attendez, là on a un problème. C'est quoi ça? Non, ça c'est pour donner de la vitesse, un petit peu de speed. On a un problème, je viens de perdre à l'instant une putain de bombe. Mais what? On a un putain de problème, je viens de perdre une bombe. Je crois qu'on est face à un bug, les potes. Je dois la refaire. J'ai littéralement... Je pense que je suis allé trop vite, j'ai littéralement perdu une bombe. Ça c'est la gravité. J'ai perdu une balls, vaut mieux que je la refasse. C'est quoi ces délires, oh les gars. Allez, non, reprendre au dernier point de contrôle quand même. Soyons raisonnables, on est reparti. Allez, on est reparti. Ça va, elle a piraté mon cerveau pour fouiller ma mémoire. C'est ainsi que s'occupe. On n'a rien vu, évidemment. Grâce à la magie du montage, tout est bien, qui finit bien, ne vous inquiétez pas. C'est que Ratchet et Rivette sont étonnamment différents pour des doubles dimensionnels. Ratchet n'éprouvait aucune méfiance à l'égard des robots quand nous nous sommes rencontrés. Rivette, en revanche... C'est peut-être ta dimension qui diverge. Peut-être que tous les Ratchets des autres dimensions n'aiment pas les robots non plus. Et elle est là, la troisième. Les gars, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Mes possibilités sont une représentation visuelle. Pour faire disparaître ça, mais c'est terrible. Appréhender la dimensionnalité. Plus je les aiderai à se frayer un chemin, et plus je comprendrai et serai en mesure de tout réparer. Et là, ok. Bon, là, je confirme. On a tout ce qu'il faut maintenant. Alors. Hop, ça, on va l'amener. Ça, c'est l'antigravité, ça ne nous intéresse pas. Quoique ça peut peut-être être utile là-bas. Ça, on va le récupérer ici. Et normalement, ça peut passer au-dessus. Let's go! Eh bien, j'avais bien un bug. C'est terrible. C'est terrible. Allez, c'est pas grave. Bonne chose de faite. Je sais pas du tout où était passée cette troisième boss. Mais bon, écoutez, elle a disparu. C'est pas grave. Casse la tienne, les plus grands diront. Quelque chose chez Ratchet et Rivette qui soit pareil. Eh bien, ils sont tous deux très prompts à passer à l'action. Contrairement à moi, qui ai tendance à m'empêtrer dans les détails. Tu aimerais peut-être fonctionner différemment. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai que j'apprécierais de ne plus m'inquiéter autant. Alors là, pardon, les potes... Pardon si j'interromps ton processus, mais je crois qu'il y a d'autres sphères à trouver. Je sais, mon petit bro, là, je t'assure que je taffe la chose. Ah ! Pour le son, les filles. Hop, on est bon. Très bien ! On a les trois bombes. Donc on a une sphère de vitesse. Clank ! Je crois savoir comment t'aider avec cette tendance à... t'empêtrer dans l'infini des ailes. Être plus confiant. Que voulez-vous dire? S'il y a une chose que mon père m'a apprise, c'est qu'avoir l'air de savoir ce que tu fais peut te mener loin dans la vie. Et ça, c'est une seule chose. Ok. Je sais pas ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Bah de toute évidence, c'est pas bon là ce qui est en train de se passer. Ça, c'est quoi ça? C'est la vitesse? Ah non, c'est le temps qui ralentit. Ok. Alors attendez, comment on va faire? On va prendre ça. On va le foutre là au vite fait. Est-ce que si on prend la vitesse? Ah vache. Mauvaise idée. Bon, la vitesse, mauvaise idée. Est-ce que si on prend la force, on va voir comment ça réagit.
Ok, pas mal. Pas mal, et donc par conséquent... Pas mal. C'est fait. Allez, let's go. On passe à la suite, s'il vous plaît. Arrêtons enfin réparer. Beau travail, Clank. Merci beaucoup. Merci à toi. Et n'oublie surtout pas, la confiance, c'est la clé. Je n'oublierai pas. Ah, d'accord, je me suis TP juste à côté alors que j'étais littéralement à côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon. Maintenant, on s'occupe du bouchon. Allez, débouche le système de lubrification. Je pense qu'on va choper un boss, non? Ok, bouchon débouché. Le système fonctionne à nouveau. Maintenant que c'est réparé, nous devrions pouvoir utiliser l'ascenseur. Cette fois, à nous le quartz phasique. Allez, on va le récupérer, ce quartz. Est-ce que juste avant... vous aimeriez pas... Non, on va récupérer le quartz, voilà, parce qu'on sait pas ce qui nous attend et pour combien de temps. Il nous reste qu'à utiliser la foreuse, récupérer le quartz phasique et réparer le dimensionnateur. Après, on utilisera ça au cas où l'occasion ne se représenterait pas. Je tiens à te remercier. C'est pas le moment de sortir les violons en boulon. On n'a pas encore fini. Faut vraiment que t'arrêtes de m'appeler boulon, s'il te plaît, fais un petit effort. On a quoi là? Ok. On est là, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, ça va. Oh oui. Ça me plaît, ça. Allez, ça dégage. La petite racaille alien me préoccupe. Quoi? Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé sur Blizzard dans ta dimension. On saura bien. Wouh plus, et on empêchera que ça arrive. Ok. Non. Non. Mais non, mais pourquoi elle est pas allée à gauche? J'ai mis le joystick à gauche. Me préoccupe. Quoi? Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé sur Blizzard dans ta dimension. On le saura bientôt, et on empêchera que ça arrive dans cette dimension. Ok. On est coincé là. Ok. Non. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh non. Excusez-moi. Excusez-moi, je me suis gouré avec toutes les touches. C'est terrible. Nous ne savons toujours c'est pas tellement stylé, les transitions, s'il vous plaît, c'est tellement stylé. On saura bientôt, et on empêchera que ça arrive dans cette ville. Ok. Mais on est coincé là. Ok. Les tremblements de terre, alors on se dit, ok, on verrouille. Let's go. Oh là là. Ok, je sais pas ce qui se passe. C'est mort, y'a rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel là-haut? Ok. Très bon ça. Très très bon ça. Oh, c'est trop stylé. Ces phases de jeu sont trop stylées, bordel. Tout près de la foreuse principale. Ah. Ok. Je rêve depuis toute petite de piloter une foreuse 100 fois plus grosse que moi. C'est un rêve étonnamment concret. Plus c'est concret, plus c'est réalisable. Alors par contre, il y a un petit problème. C'est que cette foreuse ressemble à une arène, vu du dessus, là, non? J'ai une super nouvelle. J'ai déchiffré le message venu d'ailleurs. Écoutez ça. Enfin, ça fonctionne. Écoutez. Ne démarrez pas la foreuse. Ah. Mes failles l'ont endommagée. La foreuse a détruit notre blizzard. Mais on vient de la mettre en route. Oh, abritez-vous. Verrouillage activé. Je vais essayer de l'éteindre à distance. Oh là là. Oh putain. Allez, ça c'est fait. Tu aimes les engins démesurés? Niveau supplémentaire. Let's go. Oh, ça s'arrête plus, dis donc. Oh là là, comment ça charge tellement vite le laser? Ok, attendez, les ricochets, évidemment. On tape les ricochets.
Parce que j'aime faire des ricochets. Victoire pour Tazi, là, dans le faisceau de la foreuse. Ok, je fais quoi? Tazi, doucement. Boum! Nous devons nous dépêcher de regagner l'autre dimension. Ah! Bande de traîtres! Oh, c'est terrible, les gars, ce qui est en train de se passer. En fait, c'est pas l'arme adéquate étant donné qu'on est en eau gravité. Donc tout met plus de temps à arriver. Et c'est terrible. Ok. Ok, ok, ok. Voilà, pas de panique. C'était le dernier. Il y a forcément un moyen de rentrer. Je l'ai, mon moyen de rentrer, t'inquiète pas. Ok. Parfait. Oh là là, regardez tous les boulons. Oh non, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Le jeu est tellement dingue. Ok. Bon. Désolé, je suis en admiration. Bouh. Ok, qu'est-ce qui se passe, les refs? Ok, il se passe ça, très bien. Ça me fait tellement rire à chaque fois. Ok, ça s'est fait. Quoi? J'ai oublié d'installer la mise à jour 4.3.3. Personne ne s'en sortira vivant. C'est une flamboyante dernière. Quoi? Ni dans ces conditions. Tu as une idée en tête? Quoi? Elle est grosse et lourde. Et pleine de carburant aussi. Elle pourrait se transformer en bombe à tout instant. Qu'est-ce qui se passe? Pour percuter la foreuse, on pourrait la déplacer et l'empêcher de détruire la planète. Temps normal, je dirais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, là, ça nécessite une concentration à 800 000%. Qu'est-ce que nous attendons? Je suis votre meilleur ami, Jim. Abstenez-vous de mourir, s'il vous plaît. J'ai effacé mon répertoire de bruit triste quand nous sommes devenus meilleurs amis. Ok. Ok, ok. Non, Jim. Un bruit triste serait... Collisionneur, qui est toujours pas au niveau max. Ça s'est fait, allez. Allez, allez, allez. Let's go! Let's go! Rivette! Oh, non. Bon, peut-être pas aussi grave que... Ça va sûrement te paraître complètement dingue, mais chez les Morques, des légendes parlent de quelqu'un sur Tauren 4 appelé le réparateur. Si c'est démoli, le réparateur peut le réparer. Dans ce cas, nous allons vérifier si ces légendes disent vrai. J'en reviens pas qu'on ait sauvé Blizzard. Et si on réparait ce quartz phasique pour sauver l'univers maintenant? Ok, Boulon, allons trouver le réparateur. Si tu as raison, et que le réparateur est en mesure de réparer le quartz phasique, nous aurons réussi l'impossible. Les Morques m'ont toujours dit du bien de lui. Et tu peux me croire, ils sont incapables de mentir. Dans ce cas, peut-être avons-nous encore une chance de sauver les dimensions. Alors, ok, il se passe, on est où là? Comment j'ai pu passer? Ah, le vaisseau est dans l'autre dimension. Bah oui, quand on est arrivé, c'était dans l'autre dimension. Hé! J'avais oublié ça. Alors, regardez ce qu'on va faire. Oh non, les enfoirés. Oh non, les enfoirés. Ils ont retiré le raccourci. C'est terrible. C'est pas grave. On va faire avec. On a la vendeuse.
Bonsoir, ça on prend évidemment. Parce que j'avais promis qu'on ferait une petite visite, si je peux l'appeler ainsi. Problématique là, ce que... Ah voilà, let's go. Let's go, let's go, let's go. Et j'aimerais bien faire un tour dans l'arène, histoire de voir ce qu'on peut faire en mode difficile, vu qu'on a pris quelques levels. Alors, bonsoir, je vais passer par ici, si ça gêne personne. Et évidemment que ça gêne personne, c'est évident. Ok. Problème? Non, à deux doigts d'avoir des problèmes, mais ça va. Ok. On a fait tout le tour, donc jusque-là, vous connaissez... Très, très bien. On a un écran ici. Inutilisable. On a du Raritarium ici. Mais comment j'ai pu passer à côté? C'est énorme le bordel, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas possible. Ah ouais, mais attendez, moi je vais aller au centre d'exploitation. Ah, c'est terrible si on doit en faire. On va le refaire. On va finir sur cette planète. Parce que au moins on a bien avancé. On peut se permettre d'explorer un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Hop, allez là. S'il te plaît, Rivette, c'est pas bien ce que tu fais. Suis un peu le move, là. Ok. Let's go. On va passer ici parce que je ne sais plus du tout ce qu'il y a. C'est qui cette personne dans ma dimension? L'inconnu, là. Je n'ai rencontré personne comme elle sur Blizzard dans ma dimension. Oh! Oh! Let's go! 3 Raritarium, jusqu'ici ça vaut le coup! Oh! Oh saloperie! Alors attendez. Allez, ça dégage. S'il vous plaît. Oh saloperie. Alors attendez. Est-ce que... Eh ben non, voilà. Tout simplement, on n'était jamais passé par ici. Let's go, un boulon! Un boulon en or, ça c'est fait! Rajouter dans le Pokédex! Let's go! Et je sais que vous êtes nombreux à me dire d'utiliser les boulons, mais les boulons ça peut être aussi des cheat codes, donc on verra ce que ça va apporter, mais chaque chose en son temps, s'il vous plaît, on n'est pas pressé ici. Vous êtes pressé, vous? Moi je suis pas pressé, je suis tellement bien ici. Non! Oh, Jésus! Hop, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le monstre. Oh, le monstre, dommage. Dommage, c'était incroyable. Ce move des enfers. Alors, attendez. Et ben voilà. Non, Rivette, mais pourquoi tu fais ça, Rivette? Ça passe, ça. Allez, go. Let's go, on va enfin arriver dans la mine. On va repartir, ne vous inquiétez pas. J'espère y croiser Olivier, vous avez compris la ref. Olivier mine, évidemment. On va enfin arriver dans la mine d'exploitation. On va pouvoir passer du côté obscur de la planète, évidemment. Et ça va nous permettre bien des trucs. Eh ben tiens. Ah, plateforme d'atterrissage, très très bien. Allez, on est parti. On va checker un peu. Là-haut, forcément des choses très intéressantes. T'es Fandangrekang à récupérer. Là, c'est la première fois qu'on fait la mine sous cet état, enfin sous ce côté de cette... comment on peut appeler ça? De cette dimension. Vous voyez? Sur un malentendu, non? J'essayais d'exploser... J'essayais d'exploser la vitre. On va tout fouiller. Voilà, aucun problème. Des boulons, j'en ai à l'appel. D'ailleurs, je vais acheter d'autres, hein, vous inquiétez pas. Mais j'aime bien améliorer mes armes une par une comme ça, je sais où j'en suis, vous voyez ce que je veux dire? On a un Raritarium. Hop, ça c'est fait. C'est dans la poche à Bibi. Bon, et plutôt pas mal, on peut aller là-dessus. Alors, comment on va faire? Comment on va faire ça? C'est déjà pas mal, je pense que c'est un boulon en or. On va faire comme ça me paraît pas mal. Comme ça, ça me paraît très très bien aussi. Ça me dit rien tout cela. On va faire ça maintenant. Et c'est un boulon en or, bien sûr. Let's go.
Ah, un boulon comme ça en or, je veux bien, je dis pas non, hein, Marus, hein. Là, attention, hein. Ok, et on va être où, là, alors? Parce que ça veut dire première fosse. On active cela. D'accord. D'accord, d'accord, ok. On a quelque chose ici. Ah, ok, c'est quand on slidait. Je pense qu'on a quasi tout fouillé. Allez, let's go. On peut se barrer. C'était où déjà la piste d'atterrissage? Ça valait le coup de boutons, de boulons, pardon, en or. Je trouve pas ça dégueulasse. Let's go, on est parti. Bientôt, les amis, la fin de cette vidéo incroyable. Allez! Vous entendez? Je suis en train de détruire des mensonges. Voilà ce que vous entendez. De très vilains mensonges. Ils disent que cette dimension est instable, que nous sommes aspirés par un vide informe. Ah, c'est faux! Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous ordonne de jeter vos yeux dans l'incinérateur le plus proche, car ils sont clairement défectueux. Et par-dessus tout, les vandales Lombax ne se sont pas échappés. Pour cela, faudrait déjà que je les ai attrapés, bande d'idiots. Tiens, vous voulez de la vérité? Un prix pour les Lombax passe désormais à 27 plus millions de nefariubles. Regardez-moi ça. C'est énorme. C'est vrai. Absolument pas inventé. Et tout ça, c'est pour vous si vous arrivez à m'attraper. C'est maudit Lombax. Le docteur Nefarius ne reculera devant rien pour nous attraper. On ferait mieux d'y aller. Alors, on a donc deux nouvelles planètes. Oh, Blizzard, on a tout récupéré. Faudrait vraiment aller sur sa vallée, il y a pas beaucoup de choses à récupérer. On a Sargasso, Corson, on a tout récupéré. Facultative, être Trudy, les morts qui ont besoin d'aide pour s'occuper de Trudy, leur créature de compagnie. Ça, il faudra le faire et il faudra aller chercher aussi... il faudra aller chercher ceci. Je pense que ça me paraît pas mal. Ok. Eh bien, écoutez, Toron 4, c'est avec Rivette. Et Cordélion, c'est avec Ratchet. Quoi, Ratchet. Direction Cordélion. Et on récupère notre petit Ratchet national, évidemment. C'est un océan. Ça en jette, hein? Et en plus de ça, une fois qu'on aura construit l'engin et sauvé la dimension, tu auras tout un univers à explorer. Tu n'as donc jamais peur de l'avenir? Et de toutes ces inconnues? Si, ça m'arrive de... Oh. Sur Savali, tu m'as demandé si je voulais retrouver ma famille. Ça a été le cas, pendant un moment. Je voulais vraiment les retrouver. Mais plus je me rapprochais de mon but, ils ne sont peut-être pas comme je les imagine. Ou alors c'est moi qui suis différent de ce qu'ils imaginent. C'est juste... Enfin bref. Je crois qu'on arrive. C'est donc une la station Kedaro est le centre de recherche secret où se trouve la seule forge à rubion assez puissante pour fabriquer le dimensionnateur. Si je comprends bien, on n'a pas droit à l'erreur. C'est bon à savoir. Oh, c'est trop stylé quand ça apparaît et disparaît. Les amis, il est temps de s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je vais donner un petit coup d'accélérateur. Ne vous en faites pas. A bientôt tout le monde. N'oubliez pas le j'aime. Bisous. Ciao, ciao.